Salut les filles et les garçons. Alors comme souvent, vous me demandez dans les commentaires la différence entre les deux fonds de teint, perfecteurs de Shiseido qui sont le lissant perfecteur et le naturel perfecteur. Je me suis dit que j'allais vous les montrer en action. Je vais faire moitié-moitié quoi, pour vous montrer, vous savez déjà quelle est la différence. Hein. Celui-ci est plus lumineux et couvre beaucoup plus légèrement, et celui-ci est beaucoup plus couvrant et fait une peau parfaite. Je me suis dit que j'allais vous le montrer sur moi. Si tant est qu'on voit quelque chose, j'ai carrément déplacé ma table à maquillage pour que la lumière vienne bien d'en face et pas non seulement d'un côté et tout et tout. J'espère que ce sera mieux. J'ai quand même mis de l'anticerne, hein. J'ai mis mon correcteur de teint soyeux là. Parce que moi si j'ai pas d'anticerne, ça ne sert à rien que je mette du fond de teint parce que j'ai tellement de cernes que ça fout tout en l'air et voilà. Donc je vais commencer. Et alors j'ai utilisé pour ça les deux pinceaux que je préfère, enfin le pinceau que je préfère pour le... Pour le naturel perfecteur, c'est le buffing brush de Real Techniques, celui qui est très très souple et très diffusant. Et histoire de vraiment commencer avec un pinceau propre à chaque fois et tout, je vais en prendre un autre de Real Techniques aussi que je trouve qui s'adapte assez bien au lissant perfecteur parce qu'il est plus dense et qui est le expert face brush. Vous voyez, qui est rond comme ça et qui est plus, il est plus dense. Alors il faut les secouer avant ces fonds de teint. Celui-là en tout cas, l'autre je sais pas, mais dans le doute. Dans le doute, ça ne peut pas faire de mal. Ce que je vais faire comme je fais quand je le fais d'habitude. C'est-à-dire que j'en prends comme ça sur mon doigt. Et j'en mets sur la moitié de mon visage. J'arrive pas à savoir si ça va être suffisant par rapport à la quantité que je mets habituellement, parce que d'habitude j'en mets sur tout le visage. Donc éventuellement je reviendrai un petit coup. A priori ça devrait être bon. Et j'aime vraiment beaucoup ce pinceau pour poser ce fond de teint. Puis alors les... N'oubliez pas le tour de la bouche, hein. C'est souvent un peu coloré, un peu... En vieillissant ça devient un peu moche. Les pinceaux Real Techniques, vous les lavez le soir, le matin ils sont secs. Surtout celui-là, comme il n'est pas du tout dense, il sèche à toute allure. Et donc là, bah, c'est pas compliqué, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de différence par rapport à l'autre côté. Alors... Vous allez me dire à quoi ça sert. Bon, peut-être que j'en ai mis moins que d'habitude. Je vais en remettre un tout petit peu pour voir. Peut-être qu'il y en a un petit peu moins. Mais c'est vraiment un fond de teint qui se voit très peu. Hein. C'est pour ça qu'il faut, si vous avez des imperfections, il faut du correcteur. Si vous avez évidemment des cernes, il faut de l'anticerne. Enfin, c'est un fond de teint très peu couvrant. Enfin, d'une couvrance vraiment, comme on dit, légère à moyenne. Mais... Curieusement, moi je me suis tellement habituée que je le préfère à l'autre maintenant. L'autre, je l'ai réessayé 2-3 fois ces derniers temps. Genre un petit peu sur les oreilles, un petit peu ici, à la base du cou, parce que il y a parfois, comme le cou est très très clair, j'ai parfois sinon des petites démarcations, mais regardez. On le voit pas, quoi. Alors si on voit, parce qu'on voit bien ici, on voit les petites... vous voyez, c'est marrant parce que j'ai des rougeurs. Alors à l'écran de contrôle, j'ai des espèces de rougeurs dans la peau. Et ben, ça fait comme quand on avait maquillé Raphaël, on aurait dit qu'il avait la varicelle. Ben, ça fait exactement pareil sur moi, là. Voilà, bon bref. C'est légèrement plus... C'est unifié, mais lumineux, et vraiment, ça ne se voit pas, quoi. Alors maintenant, je vais mettre l'autre. Et l'autre, c'est vraiment le fond de teint à garder pour les jours. Soit où vous avez une gueule épouvantable. Soit où vous voulez avoir vraiment une peau parfaite, c'est-à-dire il fait une peau parfaite, on dirait du plastique. Non, je rajoute, on dirait pas du plastique, mais du coup là je vais pas en mettre trop. C'est marrant parce que c'est pas, alors oui je précise, c'est pas les mêmes couleurs. J'ai un I20 et un B20. I ça veut dire ivoire, B ça veut dire beige. Donc I c'est plus jaune que beige. Et c'est-à-dire que le naturel perfecteur est naturellement plus jaune, donc je suis obligée de passer dans les teintes de beige, alors que dans le lissant, les teintes de ivoire me vont. Toc, un petit peu là, un petit peu là, on va voir avec ça déjà, pas en mettre trop parce que comme il est beaucoup plus couvrant, on voit déjà sur la peau qu'il est, qu'on le voit plus quoi. Si on ne voit rien à la caméra, si on ne voit pas de différence entre les deux, ça va m'énerver. Parce qu'en vrai, il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'avec ça... Si vous avez des mini imperfections, des trucs comme ça, vous n'avez pas besoin de concealer pour les couvrir par-dessus. Il fait... ouais, c'est bien ce que je pensais, on voit rien. Ça m'énerve. On voit rien du tout, on voit pas de différence. Est-ce que c'est parce que j'en ai remis là? Bon, bah, je vais en mettre un tout petit peu plus de ce côté-là, du coup, parce que... J'ai triché, en fait, de l'autre côté, j'en ai remis, quoi. Oh, c'est énervant.
Quand on fait tout le visage, on voit vraiment la différence. C'est-à-dire que moi qui me suis tellement habituée au naturel perfecteur, maintenant quand je porte le lissant perfecteur, j'ai presque l'impression d'être trop maquillée. C'est hyper bizarre. Moi, pour que j'ai l'impression d'être trop maquillée, il en fallait avant, je peux vous dire. J'étais quand même la reine du visage en plastique. Si on voit. Alors, dans mon miroir, je le vois. Ici, on voit qu'il reste des petits... des toutes petites imperfections, des toutes petites rougeurs dans la peau, des choses comme ça. Et ici, on voit qu'il reste rien, quoi. C'est vraiment la peau... voilà, c'était une question de quantité. C'est vraiment la peau parfaite. Aux questions couleur, c'est très amusant, parce qu'on voit que c'est la même couleur des deux côtés, alors qu'il y en a un qui est I et l'autre qui est B. Donc, bah, il faut soit bien connaître sa couleur, soit vraiment essayer. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer. Alors, j'espère que ça rendra quelque chose à l'écran, parce qu'à l'écran de contrôle, ça ne rend rien. Dans mon miroir, c'est pas flagrant, mais on voit quand même que ma joue gauche est beaucoup plus unifiée que ma joue droite, où il y a toutes sortes de petits... vous voyez des petits pétouilles un peu moyens, ici une petite tache de soleil. Est-ce que si je zoome, on verrait mieux? Attendez, je vais refermer mon truc. Est-ce que si je zoome, on verrait mieux? Normalement, quand je zoome, il n'y a plus de lumière, donc on ne voit plus rien. Mais... vous voyez? On voit qu'il reste des petites imperfections. Si on était totalement perfectionniste, on irait les couvrir avec un tout petit peu de concealer. Moi, je ne suis pas du tout totalement perfectionniste, donc je me contente de poudrer. Alors que de l'autre côté, c'est vraiment... c'est parfait, quoi. Donc, moi, au quotidien, j'utilise le Common Dézoom. Au quotidien, j'utilise celui-là. Mais c'est vrai que le jour où vous voulez vraiment être sûr de vous, où vous voulez vraiment être, genre, perfection, alors celui-là, mais... voilà. C'est marrant parce que je vais même pas avoir besoin... je vais passer juste un... Pour égaliser mon maquillage, je vais juste passer un tout petit coup de celui-là, ici, sur la joue, mais ce sera tout. J'aurai pas besoin de plus, parce que la couleur est exactement la même. C'est très marrant. Et alors, peau grasse, peau sèche, tout ça, moi j'ai eu des retours, en tout cas sur celui-là, parce que ça fait plus longtemps qu'il existe, j'ai l'impression qu'il convient à beaucoup de types de peau. Celui-ci, il est quand même, c'est quand même une texture assez légère, donc je vois, c'est pareil, je vois pas pourquoi il conviendrait pas à pas mal de monde. Je pense qu'il y a que les peaux très grasses, ou les peaux très sèches, qui doivent peut-être chercher un... se tourner vers un produit plus spécifique. Vous avez vu, je peux parler en langue de bois quand il faut. Se tourner vers un produit plus spécifique. Ouais, donc faut peut-être chercher un truc plus adapté. Si... je vais remonter ça, je trouve ça un petit peu curieux. Si vous avez vraiment un vrai problème de peau, vraiment ultra grasse ou ultra sèche, ou... voilà. Mais sinon, je pense que ça peut couvrir un très large éventail de types de peau, aussi bien en âge qu'en gras, sec, machin, je sais pas quoi... enfin, ils sont. Ça fait quand même un moment, le lissant, ça fait un moment qu'il existe, et le naturel, moi, ça fait des mois que je l'utilise, et que plein d'entre vous l'ont acheté, et m'ont fait des retours sur mon blog en me disant qu'elle l'adorait, et tout, et celui-là aussi, d'ailleurs, c'est vraiment de fond de teint dont je suis hyper sûre, et puis alors, ils ont un truc pour eux que personne d'autre n'a, c'est le packaging, quoi. C'est-à-dire que... voilà. Ça fait la... il y a la même contenance que là-dedans. 30 ml. Voilà, et c'est du plastique. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À transporter et même, enfin, tout quoi, même à recycler, tout ça, enfin, c'est juste le truc parfait quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous servira à quelque chose, que vous aurez vu un peu une différence. En dépit du fait qu'on ne voit pas grand-chose quand même, le teint c'est quand même très subtil, il faudrait sans doute des méga éclairages, là j'ai juste la lumière du jour. Mais écoutez, j'espère que ça vous servira quand même, parce qu'il y a souvent des questions sur ce fond de teint. C'est deux fonds de teint. Voilà, à bientôt. Et alors pour, oui, filles, garçons, bah écoutez, ça dépend, hein. Il y a des garçons qui s'en foutent qu'on voit qu'ils sont maquillés, et ils ont bien raison. Après, si vous voulez pas qu'on voit que vous êtes maquillés, je vous recommande plutôt celui-là, qui lui est vraiment, si on en met très peu, complètement invisible. Voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao.